Et yo Mina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragon. Et oui, enfin Dridri, tu te remets à Yu-Gi-Oh! Master Duel? Je vais m'y remettre tout doucement, parce que j'ai des let's play à finir et tout. Je vais m'y remettre tout doucement. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un unboxing de plusieurs, de deux choses différentes. Alors, il y a eu des nouveautés, ça j'ai regardé, hein, qui vont m'intéresser. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le bundle du premier anniversaire ensemble. Parce qu'il part dans 4 jours. Hein. Et nous allons faire le lot par rapport à la gouttelette de l'interdit. Je m'étais emmerdé à l'époque à essayer de l'avoir, alors que maintenant, bah, il te l'offre avec plusieurs packs différents. Avec 10 packs. Donc on va ouvrir celui-là en premier et en dernier celui du premier anniversaire. Donc ouvrons celui-là. Et voyons sur quoi l'on va tomber. Donc c'est des master packs, donc ça contient de tout et de n'importe quoi. Dépôt Karakuri. Brûlure silencieuse, ok. Tonnerre, peintre météorologique. Magnifique celui-là. J'aime bien. Oh, l'ange déchu, l'ange déchu désir, j'aime bien celui-là. Salamande Zebruix. Sympa. La Renaissance pendue, c'est cool. Et oh, une SR d'Agda Artefact. Donc ça, c'est pour un deck artefact. Ce que je ne fais pas actuellement, mais peut-être un jour. Réservengeur Mechabot. Pacificam, Samouraï Supralourd. Ah, un Supralourd. Espiègle des Gnomes, ça j'aime bien, les jolis. Empereur de la Prophétie, sympa. Encore un Supralourd. Ninja. Salutobi, Samouraï Supralourd, no jutsu. Oh, et un cubique, c'est ce que j'allais dire. Et cool! Un Seigneur Lumière, j'aimerais trop faire un deck Seigneur Lumière. J'aimerais trop. Yasha, Mayakashi du squelette. Oh, Aquadolphin, Neospecian. Dididi. Yes, j'adore les Didi. Dididi. Et magicienne du citron. Ça, c'est cool. Taoti, ombre du Yangzing. Ça, c'est bien aussi. Track Black. Sirène Mur. Abyss Océan. Coupure du Soleil Levant. Désir du Vampire. Lutte de l'Héritage du Monde. Bête Cristalline Ultime Chat d'Améthyste. Ah, les Dark Bêtes Cristallines, ils ont appelé les Bêtes Cristallines Ultime. Ah bah comme dans le manga, oui, c'est vrai. Elles se s'appellent les Bêtes Cristallines Ultime. Ah, ils ont mis trop longtemps à les sortir, ça, c'est vraiment dommage. Oh, Dragonirène. Cool. Oh, encore Minerva. Est-ce qu'on est tombé sur Minerva avant? Je crois que c'était deux Minerva qu'on a eu. Les marionnettes de l'ombre, j'adore. Mat de la Prophétie. Et Royaume du Danger. Pour le deck, un deck basé sur les monstres danger. Ghoul IA. Un Sylvan. Un Kubik encore, le même qu'on a eu tout à l'heure. Label de Gotham, X-Cyber, Aquajetto. Oh! Canon Halbarde, Tech Genus. Et masque de restriction. Ça peut être pas mal dans cer contre certains decks, hein, mais c'est pas le truc le plus ouf, hein, bien sûr. Un Mortronic, celui-là, je le connaissais pas. Téléphone. Non, celui-là, non. Par contre, le seigneur. Le exposé de Widolagon. Cadeau héroïque. On a eu Gamma. Ah, je l'aime bien celle-là. Oh, elle est jolie. L'artisane sorcière. Est-ce que c'est un deck artisane sorcière? Ciblé, Eden, nanana. Ouais, c'est un archétype artisane sorcière. Papy des métaux. Donc, Gepetto.
Oh, 6 samouraïs légendaires, Kizan! Ça, c'est bueno, Kizan! Kaibaman, Phlogos l'infini ogdoatique, un dinobrume, un boxeur, troupe d'assaut goblin toon, lézard jumeau photon, elle est jolie. Alors, on a eu un truc spécial avec Hope, mais en soi, c'était pas ouf. Le contenu n'était pas ultra rare hein, en soi. Pied du double avatar. Ungyo cuirassé. Ok. La dernière qui sera obligatoire, on le sait. Qui est la gouttelette Inferno Cyber Ténébreux. Monstre poupée Miss McChen. Oh, il est beau celui-là. Esprit Hexa de la barrière de glace. Il est mignon. Serziel, guetteur de l'œil maléfique. Par contre, elle est belle. Oh! Voilà, que des SR! Bah oui, que des SR! Oh, soldat du serait noir, super soldat! Et bien sûr, la dernière carte, hein, je pense. Voilà, bah, elle est offerte, c'est celle-là. Eh ben, ma foi, c'était très sympa. Et on va ouvrir le bundle spécial pour le premier anniversaire. Donc, qui inclura. Une carte magicien sombre UR avec une finition royale, comme vous voyez, à illustration alternative, 30 packs de maîtres et des accessoires limités et disponibles. détail. Non. L'affichage du lancement, voilà le terrain qu'on gagne. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et là, on voit les 30 cartes. Le 30 paquets, le magicien sombre, on dirait qu'on aura le droit à un cadre avec le truc Égypte, icône de magicien sombre, donc. Protège carte, deck box et illustration sur le menu. Let's go. Let's go les amis. Premier sur 30. Premier sur 30. Monster Express. J'aime bien. Dragon Appa métaphysique. Oh, le dragon Appa, mais en métaphysique. Colonie du mal, ok. Appel Numéron. Sérénade de la diva de la musique. Ok. Diana, l'esprit du vent. Bâton Archidémon du désespoir. Ninja blanc, ok. Un erratique. Machine de l'harmonie. Assez kawaii. Assez kawaii en soi. Relais blanc, c'est pour les Blue Ace, non? Trois monstres yeux bleus. Ouais. Oh, la force miroir violente. Tous les monstres qui sont en position d'attaque à la main. Donc ça évite, ça renvoie normalement. Donc ça évite un effet de Stardust. Hein. Guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Oh celui-là il a l'air d'être beau. Ouais, pas mal. Hero Extra. Et Bato Sushi Gunkan Class Ikula Neledotelien. Ouais, cherchez pas les noirs rallonges. Ça se connaît sur Yu-Gi-Oh. Ne vous embêtez pas sur ça. Oh le chat à la montre. Ok, j'avais fait exprès pour tout ouvrir. Le chat à la montre qui est magnifique. Filange pot artiste. L'invasion cyber ténébreuse. Duc de la domination Veilons. Bunjingi Ibis. Et Malice Dame de la Lamentation qui est très belle. Qui est très 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 belle. Chevalier de la Reine, un Puishimal, Peluchimal, Illusion Magique, sympa, enfin, l'illustration est sympa, la chorale pot artiste, d'accord,
carrément avec trois petits pijacos dessus. Ah lui je l'adore. Dans les premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! Comment ça s'appelle déjà? Xeal, normalement, si je dis pas de bêtises. En tout cas, bâton du magicien, c'est sympa. Ok. Le deck magicien, de ce que j'ai vu, c'était fort. Donc, à moins que ça ait été nerf depuis, mais je sais que c'était fort. Le chevalier coquillage est très beau. Très spécial, mais beau. Oh, un petit crâne serviteur, si je veux faire un deck crâne serviteur. Et appel du diaspasson, c'est pas comme si je l'avais plusieurs fois. Pour mon deck diaspasson. Cycloïde, dragon totem, prime manchi, altergeist. Elle est jolie celle-là. Fantôme mecha. Chasse sauvage, infernité. Oh! Une nouvelle infernité que je connaissais pas. Vu que j'avais arrêté Yu-Gi-Oh! Pendant un bon moment, donc je connaissais pas les nouveautés. Et Power to le Dolagon. Et ben ça c'est cool. Par contre le champ infernité est très joli. Néphiste, la préservatrice sacrée. Oh elle est belle cette carte. Phantom Russ. Le sanglier porteur de grêle. Gizmec Arakami. Un Koekimeru. Ok. Alors, on va dire que pour le premier anniversaire, ils se sont pas trop foutus de notre gueule parce que ça vaut le coup ce qu'ils mettent dedans. Cœur de lion, ok. Puis là, je l'avais utilisé. Forme du chaos, si je veux faire un deck yeux bleus. Oh, Kaiju des fils gluants. Je ne sais pas si je l'ai celui-là. Ah ouais, ça remet un temps de chargement pour dire qu'il y en a de nouveau 10. Donc ça c'est cool, Karakuri. Fait de la rose des ténèbres. Oh, paralysie des bras, paralysie des jambes, paralysie de tout. C'est le genre de ce qu'utilise Marek contre Mai. Et cool, héros de la perfection. Scène de lumière Farstar. Alors, je ne connais pas ce deck. Je me renseignerai. Monstre des mers de TC. Magnifique par contre. Pas d'effet. Une fusion de deux syntoniseurs, mais j'adore. Garde de cristal, ok. L'attaque de la force du tonnerre, donc un truc sur Slifer, le dragon du ciel. Hein. J'adore. J'adore le. J'adore. Super factionnel mec. Ah, c'est pour les matmec. C'est le deck matmec, ok. Narval. Oh, il est beau, Narval. Matmec, j'en ai entendu parler. Et je crois que c'est très fort, matmec. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ok. Et encore, j'ai même pas encore avancé dans l'histoire. Je vais avoir pas mal de trucs à faire. Vitesse ruide. Un chronomal. Oh, gimmick puppetto. J'adore les gimmicks. Forteresse requin, elle envoie du lourd avec le l'autre monstre Xyz derrière. Enfin, dedans. Et encore un petit Karakuri. Oula, il va devenir arc-en-ciel celui-là. Ça, il va envoyer du lourd, non? Il est pas arc-en-ciel, mais ça va être cool. Dragig. Oh, il est beau. Sacrifice du serpent. Ok. Anaku Flagrette. Il est beau. Alice, dame de la lamentation. On a eu aussi une dame de la lamentation tout à l'heure. Mais je crois pas que c'était Alice. Je crois que c'était un autre nom. Magicien balourd dragon.
Dragon fossile Skulgar, il est trop beau. Donc ça c'est artefact. Nazuki le ninja Valence. Ça c'est un supra lourd. Dino Lutteur Capaptera. Tête de pont de la force S. Ça, ça ne dit rien. Non, mais la peste de désespérance, en fait, j'en ai trop. Je vais pouvoir les crafter. J'ai compris. Ange machine magnifique. Ok, ça, je connais. Ange déchu gâté. Oh, elle est trop belle. J'aime bien. Accusation erronée. Très drôle. Très drôle. Chunjun, hospice de l'âme épée. Il est magnifique par contre, j'aime bien le style. Léotron, transporteur synchronique, mur de l'interruption, ça je connais très bien. Ou il est arc-en-ciel. Ou sa mère, celui-là, il est arc-en-ciel. Donc celui-là, il est censé donner, il est censé déchirer du fioc, celui-là. Donc, les marionnettes de l'ombre. Planète des ténèbres Cosmo. Transforme-temps farce gamin. Ok, c'est le deck farce gamin. Donc ça, c'est une ESR, vu la lumière. Et là, normalement, c'est une UR à droite. E à gauche. Là, c'est UR. Et ce sera Venominaga, la déesse des serpents, Véminimeux. Et on voit déjà un booster avec la lueur arc-en-ciel déjà. Bah, il n'y en a même qu'un. Donc, on va voir. Hein. Ok, gardien Baou. Il y en a à son vieil, donc je les connais. Décharge du tonnerre. Force de Barian restreinte, magie rank-up. Et lien entre professeur et étudiant. Dragon étoile naine planétaire. Dragonnière, ça je connais, hein, Dragonirène plutôt. Tyranno galactique. Gaïa le chevalier implacable éveillé. Celui-là je connais. Oh, ça risque d'être bon. Gouki l'ogre âme. Et ça c'est 2 SR. Oh, le Shogun des 6 samouraïs et Ténacité des monarques. Deux bonnes SR. Deux très très bonnes SR. Genex, légionnaire de Chien. Enfin, lui c'est de Chien. Oh, la guêpe de bataille. Cool. Zodiac, donc ça c'est un Zodiac. Et Adoration, un héros vision. Lui, il est cool. Vraiment. Alors. Hydragon poly Chimicrea. Oula, j'ai pas vu. Ah, c'est un truc d'Endymion, ouais. Ça, je connais. Bah, ça y va, ça retourne. Nom imprononçable, serpent nordique. Voilà. Et dragon attaquant. Il y en a que je connais quand même. Hein. Rituel de Litmus le maudit. Ok. Crescendo orcuste. Ok, un deck orcuste. J'ai pas. Et fusion magicalisée. Pour magicien. Les magiciens, ils ont des bons cartes support. Hein. C'est abusé. Et normalement, la prochaine, c'est la UR. Colonie de chrome, ça, ok. Je trouve que vous nous laissez la dernière en, avec la grosse rareté. Danger, je connais. Oh, les vieilles cartes. Dragon du Palana Blanc. Ah. Montre-moi ce qu'il y a dedans. Allez, une bonne.
Ah, oh, c'est pas une que je voulais, mais après, bon, on peut les détruire pour crafter d'autres trucs UR. En soi, c'est pas dérangeant. Et ça aurait été bien de tomber sur Magicien Briseur du Temps. Tu aurais tombé sur une que je veux. Oh, lui, il est beau. Administrateur du Crépuscule. Oh, sympa la carte. Voilà, objet obtenu, le magicien sombre, magie sombre en icône, le cercle magique sombre, le puzzle du millénium en protège-carte, le puzzle du millénium en boîte, souvenir lointain d'un duel en terrain, souvenir d'un lointain duel plutôt en terrain, pareil côté pour le cimetière et le hors-jeu, et ça c'est un être, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, c'est le support et magicien sombre en écran. Comme vous voyez, en termes de pack secret, eh ben, j'en ai plein. J'ai donné du couvert pas mal. Et c'est cool. Bon. Eh ben, les amis, en tout cas, c'était vraiment cool, hein, l'ouverture, hein. C'était vraiment, vraiment cool. On a acheté tout ce qu'il y avait. Donc, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du petit unboxing bien sympathique. Vous, si vous avez des trucs que vous recherchiez ou rares, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir sur quoi vous êtes tombé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager. Ça ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.